Et bien salut tout le monde, c'est Xeska et aujourd'hui on se retrouve pour du Halo Infinitus, ma belle Lucette. Je dois aussi vous dire que, vu que ça va bientôt tout simplement être les vacances, tout ça, Noël, Nouvel An, tout ça, et bien ce qui va se passer en gros, c'est qu'il y aura moins de vidéos pendant cette période parce que, voilà, comme chaque année, je vais aller en France voir ma dulcinée. Et résultat, bah, je dois préparer un maximum de vidéos avant d'y aller, donc ça risque d'être un petit peu shorty cette année. Donc il y aura peut-être un petit peu moins de vidéos, hein. Je me dirais, c'est pas grave, hein, de toute façon, vous allez enjoy Noël, tout ça, hein. Alors, nous devons nous rendre où encore? Putain, j'ai pas de véhicule et il y a un sniper qui veut déjà me faire la peau. Allez. Hein? C'est bon, t'as mangé tes morts. Ah, t'es planqué derrière, mon petit salaud. Le démon, il est là. Je dois finir. Putain, mais t'as combien de PV, salope? Quelle arrogance. Oh non, 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 ton épée. Ton épée toute la garde, hein. C'est bon, on en a marre. Bon. Allez, on y va. Limite, j'aurais peut-être retourné directement dans un campement. Pour faire spawn des véhicules. Y'a quoi dans la zone qu'on pourrait utiliser? On a une base avancée ici. Et on doit aller là-bas. Bon ben. Si on allait prendre la base avancée qui se trouve pas loin d'ici. Et pour y aller. On peut. Oh, mais attendez, on peut pas. Oh, vous êtes sérieux, je peux pas faire tout le tour. Voyage rapide. Dis-moi que je peux faire spawn un véhicule là-bas, s'il te plaît. C'est pas la base avancée, ça, si? What? What? Je suis où, là? Mais... c'est pas grave. C'est pas grave. Au pire, on trouvera peut-être un véhicule sur le chemin. Allez. De toute façon, prendre des bases, c'est bien parce que ça débloque aussi tout ce qu'on doit... niveau équipement, tout ça, niveau armes, tout ça. Allez. On y est presque. Là, ça ressemble à une base avancée, bizarrement. Allez. Ouais. Base avancée, Juliette. C'est non revendiqué droit devant. Non revendiqué? Comment ça, elle était rouge. Elle était revendiquée du coup. Comment as-tu pu approcher? Comment as-tu pu mourir? D'où t'es pas mort? D'où t'es pas mort? J'ai plus de mûres. J'ai plus de mûres. Faut que je me tire et très vite. Oh yeah, je vais vous faire kiffer, bande de cochonnes. Je disais,
Oh, il vient de me dire que je faisais comme une tanche. Petite coquinette. Il est mort. Plus aucun ennemi autour de la base Juliette. On est prêt à la récupérer. Allez, on va la récupérer alors. Allez, on récupère. Confirmé. Encore une base avancée prise par l'UNSC. Regardez autour de vous. On peut voir les endroits où l'anneau a lentement essayé de se réparer, sans l'aide de la spire. Plutôt impressionnant en 6 mois, non? Imaginez un peu ce que ça donnerait si on le laissait travailler tranquille pendant, je sais pas, quelques millions d'années. J'ai un vecteur pour la nouvelle zone d'atterrissage. Je fais quoi, Major? Gun Goose confirmé. Largage imminent, Major. Major, merci d'être venu. Suivez-moi. Nous y sommes. Quand Alcée nous donnera le feu vert, nous nous poserons sur l'anneau et vous... Eh bien, vous ferez votre boulot. Comme toujours. Et vous croyez au plan de Alcée? Monsieur, nous captons des signaux inhabituels autour du... C'est une attaque. Collision multiple. Des gardiens? Ça m'étonnerait. Capitaine Lasky, la coque est compromise. En plusieurs points. L'ennemi nous aborde. Monsieur, on signale des groupes d'assaut paria en grand nombre. Des parias? Qu'est-ce qu'ils font ici? Des parias, ma lucette. C'est un ghost. Oh mon dieu! Bon, et puis merde. C'est par là-bas, j'espère. Wow! Non, 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 putain! C'est quand tu veux. Voilà. Allez, moi j'aurai un copain avec moi, c'est cool. Proximité d'une cible prioritaire. Il s'agit d'un groupe de criquets. On sait pas grand-chose sur eux, mais ça vous a jamais dérangé, si? Il y a une tour pas loin. On devrait aller voir. On est toujours vivant. Continue à pied. Alors... Ah, voilà ce que je voulais. Viens te battre, cochonne! Allez! Oh là, s'il vous plaît, nerfez les dégâts que les véhicules peuvent prendre. Regardez ça, c'est lent, c'est long! C'est pas fun! Je sais que normalement faut tirer sur le conducteur, mais quand même! Eh toi, je t'ai vu là-haut. Attends, j'arrive. Ah bah j'arrive pas, attends. Il y a un de tes potes, il a dit ouais, non, tu passeras pas tout de suite. Oh là là, c'est la joie, c'est le fun. Allez, kaboum. Et bien entendu, il y a que le mien qui kaboum pas, hein. Enculé! Waouh, on se taille. Oh, le petit headshot gratuit là. Ah, mais ça utilise pas des armes conventionnelles. D'accord. Je vois ça, boum. Attends. Oh oui, parfait. Ouais, vas-y, va les destroy. Moi, je m'amuse. Enfin, façon de parler. Vu qu'on va encore refaire un duel. Oh, mais arrêtez! Tu me saoules! Ramène ta tronche, toi. Allez, viens.
prenez vos darons là. Voilà. Ben je ne m'arrête pas, t'inquiète. C'est bon. La voie est libre. Ok, c'est bon. Attendez un instant. C'est pas comme si je pouvais faire autre chose, Cortonabis. Et voilà. Statue. Qu'est-ce qui s'est passé? Major, quelque chose m'a repoussé. Ça m'a analysé. C'est parti maintenant. Tu en es sûr? Oui. Sûrement une sorte de protocole de sécurité. Ce n'est rien. Faisons ce qu'on a à faire. Plus qu'un, comme elle a dit. Et même pas une petite arme pour Bibi. En parlant d'arme pour Bibi. Donc moi, capacité de bouclier, 15% la valeur de bouclier de base. Voilà. Plus j'aurai de bouclier. Vous avez rien ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas, quelque chose m'a scanné. Quelque chose ? C'est sûrement rien. Sûrement ? Enfin, j'espère. Vraiment ? Ne vous en faites pas, tout ira bien. Ouais, bah la dernière fois que quelqu'un a dit ça, ça s'est mal terminé. Proximité d'une cible prioritaire. Il s'agit d'un groupe de criquets. On sait pas grand-chose sur eux, mais ça vous a jamais dérangé, si ? Tu t'en as toujours dérangé. J'aime bien savoir ce que je vais affronter. Ah, le bâtard. Ah là 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 là. De toute façon, faut le faire, ça débloque des armes. Comment ça, renfort ennemi ? What ? Tout ? Cible éliminée, mais c'est pas terminé. Tu es ses camarades. Les sbires ont été éliminés. L'étau se desserre un peu plus sur l'UNSC. Dites, Major, vous avez vu l'arme modifiée que la cible portait ? Plutôt ingénieuse, même pour les parias. Du coup, je l'ai copié. J'ai envoyé des schémas modifiés à nos bases d'opérations avancées. Ça devrait nous aider. J'allais vous dire d'envoyer un mot de remerciement pour cette amélioration, mais le destinataire étant mort, vous pouvez laisser tomber. Et ça, c'est beau.
Ah, allez. Continue notre chemin. J'ai l'impression que c'est plus facile de tuer les ennemis avec un véhicule. Ce qui est logique en soi, mais bon. À ce moment-là, le problème, c'est que tout ce que t'as à faire, c'est... Ok, la map. Ok, je ne suis absolument pas au bon endroit, putain. J'avoue qu'avoir une mini-map aurait été sympa. Pour savoir dans quelle direction je me rends, parce que devoir toujours ouvrir la map au bout d'un moment, ça va devenir un petit peu énervant. Alors, faut aller où ? La logique, faut aller par là, si j'avais bien vu. Franchement, un radar ne nous aurait pas tué, hein. Alors, je crois que c'était par là-bas. Mais vous faites chier! Voilà. Alors, on est sur le bon chemin? Ouais, faut juste prendre la prochaine. Mais! Faut juste prendre la prochaine à droite. Ah, les criquets! Je crois que mon véhicule va pas tarder à péter là. Ah, tricheur! C'est pas gentil d'avoir des super flingues pendant que moi j'ai rien. Bon, désolé, on devrait y aller à patte. Ils ont foutu mon véhicule en feu. Dommage qu'on peut pas. Ouais, est-ce qu'on peut? On peut pas demander à un largage aérien, une connerie en genre? Non? Ça reste trop demandé pour ce bon Master Chief qui nous a qui a sauvé le cul du monde depuis des années. T'es vu au fond. Disparaît. Espèce de personnage de Disney. Oh, par contre, oh là là, le chargeur. Qu'est-ce qu'il est petit en ce flingue. Je veux de la mune. Beaucoup de mune. Attendez, il y avait pas un... S'il y avait un campement, hein. Là-bas. On va aller la faire, la base. Toujours bien d'avoir des points de TP. Oh! Il y avait des ch'tines animaux. Alors, on est à côté. J'arrive! Voilà. On va prendre cette base avancée all style. C'est-à-dire grâce au pouvoir des véhicules. J'ai vu des tirs de... Bonjour monsieur. Voilà, pas mal réglé. Pas mal réglé aussi. Oh l'enculé! Mmh.
Ah, je vois. C'est bon, je peux prendre la base. Ça devra attendre. Occupez-vous de l'ennemi. Bah, je veux bien, mais tu m'indiques même pas où. Force Paria éliminée. La base hôtel est prête pour la libération. Ok, good. Et voilà, une autre base à notre actif. Celle-ci a été bâtie sur l'un des champs de bataille les plus actifs dans les deux premiers jours de la guerre. Les registres de l'UNSC comme ceux des Parias indiquent que c'était le chaos le plus total. La guerre faisait rage, mais pas aussi intensément que sur l'île qui se trouve au nord de notre position. C'est là où on a été abattu, vous vous souvenez? Largage du véhicule confirmé. J'ai bien tenté de compléter les données Forerunner à l'aide d'un algorithme, mais sans succès. On n'a pas le choix. Il faut atteindre cette dernière balise. Faites-moi tout de suite un rapport. On dénombre trois impacts majeurs. Pardon, quatre impacts directs à la coque, monsieur. Trois à tribord, un à bâbord. Moteur principal à l'arrêt. Où en est l'intrusion ennemie? Difficile à dire, monsieur. Partons du principe qu'on a peu de temps. L'arme est-elle prête? On a encore... Il n'y a pas de pratiquement qui tienne. C'est maintenant ou jamais. Lancez le déploiement, vite. Eh ben dis donc, ça portait bien en couille, hein. Bon. Personne pour venir? Non, pas d'amis. Pourquoi est-ce que quand je pop avec un véhicule, ils viennent pas directement à moi en mode hey, « Eh Major, hey, vas-y, ramène ta gueule, allez !» Ouais, je te désigne rien du tout, tu tires où tu veux, je m'en fous. En tout cas, nous avons une cible. Tu sais pourquoi nous avons une cible? Parce que nous sommes américains. Et l'Amérique gagne toujours. En tout cas dans les films. Ah, il y a un petit pont là-bas. Allez, on y va. T'as intérêt à assurer que cette tourelle Marinette ou Marines ou je ne sais pas quoi. Je vais t'appeler Hélicoptère Apache de ville. Voilà, ça me paraît bien. Hélicoptère Apache de ville. Allez, on y va, Hélicoptère Apache de ville. Salut, boys. Attends les ordres. Bienvenue, Spartan. Attendez. Il y a des boys là. Attention, oups. C'était un allié. Bah oui, mais j'y peux rien. L'ennemi peut débarquer à tout moment. Prends ce véhicule. Ouh, il a un lance-roquette, lui. Gros connard qui arrive en ville. Ah, est-ce qu'on est presque là? Ouais, plus qu'une ligne droite à faire, nice. J'ai deux Super Marines avec moi. Si avec ça on n'arrive pas à gagner la guerre, je sais pas ce qu'il nous faut, hein. On approche de la... Ah, dis donc, il y a du monde. Prépare-toi à crever. Oh ouais. Bon, attendez, je vous mets dans une position sympa et après, promis... Bon, peut-être pas là. Le Major va pas vous rater. Ouah, bordel! Bon, écoutez, je vous laisse ici. Je balance la max! Vous tuez, c'est mon deuxième métier. Et pas là, effectivement. Ta-t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 a
quadrute, c'est mort. Il avait pas ce que je pense. Ouais, il avait ce que je pense. Ah! Bah lui, il l'a pas loupé. Ah, mais non! Allez, mangez vos morts! Nous sommes des Marines! Ah non, dites pas qu'ils les ont tués! J'avoue que je suis pas forcément en position de force là. Voilà, faut juste que je réussisse à le toucher easy lui. Mais quoi? Enfin! Punaise! Donc prenez des balles pour mourir, hein! Bon. Petite pensée pour les Marines morts. Même si je m'en fous. Allez! Ouais, on a réussi! On va enfin avoir toutes les datas! On a vraiment réussi! Ce n'est pas que j'en doutais. Mais c'est juste que. Non, rien. C'est le dernier. Non, non, non. C'est un piège. Elle cherche à se servir de moi. Elle essaie de m'analyser pour briser le blocage, activer les sbires. Mes routines et celles du monitor. C'est pas bon. Alors on arrête. Bloque-la. D'accord. Mais elle est juste là. Elle finira par trouver un accès. Alors on n'a pas le choix. Je suis là. Code rouge. Il ne s'est rien passé. Pardon. Peut-être que je deviens dingue. Ou juste paranoïaque. Vous disiez quelque chose tout à l'heure? Rien d'important. Ok. Bon, on a ce qu'il nous faut. Retournons à la spire. On devrait pouvoir contourner la sécurité maintenant.
Alors, la spire de commandement. Where is it? Ah, c'est loin. Pas un point de TP juste à côté? Là. Si, j'ai un point de voyage rapide. Allez! Ouf. Eh, par contre, me dis pas que c'est déjà la fin du jeu. Parce que là, je trouve que le monde est un peu petit. Enfin, c'est pas réellement un open world, c'est plutôt un semi-open world. Vu la taille. D'accord, je comprends pourquoi en fait il n'y avait pas de campement. C'est juste qu'on s'est téléchargé une spire, c'est pas vraiment un campement. Bon, mais je pense qu'on va s'arrêter ici. Oui, je sais, ça fait un petit peu, un petit chouïa court. Mais bon, on va avoir de la bonne baston, on va devoir faire tout ce trajet là. Quoique, ça sera peut-être plus intelligent d'aller se foutre ici. Mais bon, on a aussi une petite base avancée November à aller reprendre là-bas. Donc on va aller faire ça juste après. Allez, sur ce loup, je vous laisse. Prenez soin de vous. Prenez soin de Rock'n'Roll. N'oubliez pas d'avoir la oui attitude, comme d'habitude. Vous connaissez son, vous connaissez Alex ou que ça dicton, je vous laisse, je fais plein de poutous partout et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. So ciao bye, bouti bouti, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pissu.